Chercher mon stylomatique magique 3000 fluorescent. Mais ensuite, je me suis souvenue que quelqu'un me l'avait emprunté. Oups! Oui, c'est vrai. Je crois qu'il est quelque part dans ma chambre. Je suis sûre que Prunty ne l'a pas fait exprès. Mais du coup, j'ai dû me débrouiller avec un pauvre crayon ordinaire tout ce qu'il y a de plus banal. Alors forcément, ce n'est pas aussi joli que ce que j'aurais souhaité. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce plan pour me dire si c'est trop long. Pour le moment, je suis comme qui dirait un peu occupée à aider les filles. Peux-tu passer au salon de thé dans une heure et j'y jetterai un coup d'œil. Oh, mais ça ne te prendra qu'une seconde ou disons une minute. Ça dépend si tu vis vite ou pas. D'accord alors. Étrange comportement. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. La surprise Ruby de Rhubarbe. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est un pur délice. Oh, Frésinette, c'est tout simplement succulent. Tu es un génie du dessert. Tu avais déjà la réputation d'être la meilleure chef pâtissière de Frésie Paradis, mais avec ce gâteau, je dois dire que tu t'es encore surpassée. Oh, c'est gentil, pomme d'amour. Nous avons créé de très nombreux desserts, ma sœur et moi, mais je dois avouer qu'aucun ne fait le poids face à cette merveille. Aigrelac, tu es d'accord avec moi?
Quoi, tu détestes? Non, au contraire. Et s'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'être d'accord avec ma sœur. Merci beaucoup, les amis. Nous ne devrions pas être les seuls à en profiter. Ton nom devrait être connu à travers le Frésimonde. C'est ce que je pense. Eh bien, nous sommes deux à le penser, Pomme d'Amour. Je dirais même que nous sommes trois. Oh, vous êtes vraiment trop gentille. Mais le fait que mes amis apprécient mon dessert, eh bien, c'est déjà beaucoup. Dites donc, c'est vrai qu'il est plutôt bon, ce gâteau. Plutôt bon? Il est parfait, oui. De petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument. En voilà une bonne idée. Voilà. Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini cocotiers. Mais où ça? Ici, à Frésie Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous. Et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Frésie Baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste? Voire carrément infaisable? Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée. Allons lui donner un coup de main. En avant, les amis. Pour l'impossible. Est-ce qu'on peut... Si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdue? Mes petits... Attends, j'ai lu une histoire où deux enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. J'ai réparti les différentes tâches, j'ai vérifié comment les choses se déroulaient, j'ai essayé de motiver mes amis, mais bizarrement, le projet est loin d'être terminé, Pralinette. Pralinette? Oui, tu as tout à fait raison. Tu as été distraite par quelque chose et c'est pareil pour mes amis. C'est facile de se laisser distraire. Si seulement elles arrivaient à s'entraider davantage les unes les autres, on dirait que tout le monde est énervé et tendu. Je ne vois pas comment je pourrais effectuer toutes les tâches qu'il y a sur cette liste. J'ai l'impression qu'elle est sans fin. Je n'y arriverai jamais. Hein? Que se passe-t-il?
crocodile pralinette. Et hé, tu veux me montrer quelque chose? Oh, c'est la dernière tâche de la liste. Oh non, encore plus de travail. Il est écrit: comme j'étais très pressée, j'ai placé cette tâche en dernier. Mais c'est la règle numéro 1: faire que tout le monde s'amuse bien. Oh, ça me paraît évident et inutile de... Oh non, une petite minute. C'est ça, voilà ce que je faisais de travers. Je leur ai donné tellement de travail qu'ils n'ont plus envie de s'amuser. Je leur en ai peut-être trop demandé. À partir de maintenant, je vais redoubler d'efforts. En route! Écoutez, ils sont plusieurs chefs-furettes de partout. Il faut absolument défendre Frizzy Paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là! Voilà, je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à fureteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh, fantastique, petit pépin mécano. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu, courage. C'est le dernier endroit où ces affreux fureteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, vous entendez, je bruite pas. Cachons-nous, ce sont sûrement les fureteurs furtifs. Chut, il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Oh, vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, c'est un piège! Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil. Pour vérifier que tout allait bien. Oui, en quelque sorte. Oh, mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frizzy Paradis de ces affreux fureteurs furtifs. Les fureteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navrée. J'ai dû mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh mince, c'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Frizzy Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Frizzy mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Frizzy Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Frizzy Paradis est un endroit merveilleux, on en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapomme. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger.
Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Frazy Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, fleur d'oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Frazy Paradis en miniature! Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh, merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors, tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Mousse, mango, mocha, maracas obtient donc 5 étoiles miam miam sur 5, ainsi qu'un bonus quel délice de la part de votre humble blogueuse. Je vous dis à la prochaine, vivement les gargouillis de votre estomac. C'était Pomme d'amour qui vous écrit de Frazy Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. Oh, Pomme d'amour, quel article incroyable, quel talent! Et les commandes continuent d'affluer. Oh, que tout ça est excitant. Grâce à toi, Frésinette va devenir célèbre. Sans ces recettes, rien de tout ça n'existerait. Moi, je ne suis que le messager qui partage la bonne nouvelle avec tout le monde. Doucette, ton parfait à la pêche est prêt. Il faut que je retourne à la cuisine. Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu. Petit grain de folie au grain de raisin. Ah, ah. Frésinette, c'est encore un exploit culinaire. Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveur. L'incroyable explosion de saveur que nous offre la dernière création de Frésinette. Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité. En un mot, c'est une vraie merveille. Bonjour, ça va Frésinette? Et cette merveille culinaire s'appelle petit grain de folie au grain de raisin. Bonjour Pomme d'amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, tu as un rhume? Non, une allergie. Tous les ans c'est pareil quand les pollenites pourpres sont en fleurs. Je ne sens plus rien du tout. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique sur ton petit grain de folie au grain de raisin. Oh, alors tu as aimé? Oui, j'ai adoré, tu tiens encore un succès. Fantastique, merci. Voici les dernières commandes. 3 douzaines de surprises rubis de rhubarbe, 10 geysers gercés au gingembre dont 2 aux noisettes, 17 fabuleuses figues frappées à la fraisinette, une demi-douzaine de nouba-nouga et une mousse mango mocha maracas. Deux mousse mango mocha maracas. Bien, c'est noté. Là, oula. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien, j'ai hâte de commencer.
Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est mille fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Ils sont simplement épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Oh, il me manque déjà tellement. Est-ce qu'il pourrait s'être enfui? Charlotte ou Fraise, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler. Oh, Charlotte ou Fraise, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis. En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte ou Fraise. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Oh, je l'espère. Je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu! Montez des profondeurs! On a entendu de trop de bruit, nous aussi! Petite minute! Montez des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous Terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, petit pépin l'ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas. Clafoutis, Praline. Clafoutis, Pralinette. C'est juste un bébé marmotte. Je l'entends vraiment. Regardez tout là. Absolument la sauver. Suivez-moi, tout le monde. Attrape cette guirlande, s'il te plaît. Moi, je prends la deuxième aile. Par ici, tout le monde. Je connais un raccourci par les pâquerettes. Dis-moi, Fraisinette, c'est quel
genre de gâteau que tu as créé? Je pensais le baptiser Délice Royale d'Épices Impériales. Alors, ça te plaît? Oh, disons simplement que je n'ai jamais rien goûté de pareil. Vraiment, c'est totalement et complètement nouveau. Et j'irais même jusqu'à dire différent. Formidable! Tu en feras donc un article dans Frézy Meilleur Moment? Bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est certain. Merci. Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oh. Et je reviens tout de suite. Oh non, oh non, oh non. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Oui, sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Oui, un pas à gauche, tu prends la pose. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balménages. Les filles, on va s'amuser. Oui. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales? Oui, encore un article à le jeu de pommes d'amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollenites pourpres auront bientôt fini d'éclore, alors j'ai... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Frézy Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui? Oui, c'est bien Frézinette à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Oh. Mmh, votre majesté? Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, ben ça alors, c'était la reine de Frézyvania. Oh. Elle a lu l'article de Pomme d'amour sur mon délice royal d'épices impériales et désire en commander un pour son bal d'inauguration. Il faut qu'il soit assez grand pour nourrir une centaine d'invités. C'est incroyable. Bon, mettons-nous vite au travail. Plus haut, plus haut.